Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est automatiquement un parallélogramme. Notre tâche ici, c'est de démontrer cette propriété. Rédigeons d'abord l'hypothèse et faisons un dessin correspondant. Au départ, nous avons un quadrilatère ABCD, A, B, C, D. Au départ, c'est un quadrilatère dont nous ne savons pas encore que c'est un parallélogramme. Nous savons juste que le point M, c'est le milieu de cette diagonale AC, dont nous déduisons de suite que le vecteur AM est le même que le vecteur MC, et nous savons que ce même point M est le milieu de cette diagonale BD, dont nous déduisons de suite que le vecteur MB est le même que le vecteur DM. Donc voilà les hypothèses, et à partir de ces hypothèses, nous sommes priés de démontrer que ce quadrilatère est automatiquement un parallélogramme. Pour démontrer cela, il suffit de démontrer que le vecteur AB est le même que le vecteur DC selon ces hypothèses. Alors commençons avec ce vecteur AB. Nous le décomposons d'abord en cette somme vecteur AM plus vecteur MB. Ce sont bien deux vecteurs consécutifs dont la somme se lit là. Donc cette somme, c'est bien le vecteur AB. Par hypothèse, nous savons que le vecteur AM est le même que le vecteur MC et que ce vecteur MB est le même que ce vecteur DM. Donc nous pouvons remplacer le vecteur AM par le vecteur MC et le vecteur MB par le vecteur DM. Alors faisons ça. C'est fait. L'addition vectorielle étant commutative, nous pouvons permuter ces deux vecteurs. C'est également fait. Et là, nous voyons que ces deux vecteurs sont consécutifs et leur somme se lit là. Donc cette somme, c'est le vecteur DC. Ainsi, nous avons bien démontré que le vecteur AB, est égal au vecteur DC, au vecteur DC. Et par définition d'un vecteur même, nous pouvons en déduire que ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et voilà, la tâche est déjà terminée.